clairait bien où c'est lui mia sou ou de moi. Les sacrés privilèges de nous. Et ça, encore une fois, pour nous partager ensemble nos portions de cette écriture, côté que nous avons cherché l'édification, pour nous amener, nous connaissons qui ça nous avons cherché. Et c'est la même recherche à eux, de cet esprit, vous voyez, le thème pour nous. Et chaque élite dit avec celui qui a demandé ça, on dit. Et nous croyons que c'est fidèle et juste pour l'accorder nous. Lançons ça. J'espère que nous t'es passé une très bonne fin de semaine sous le regard bienveillant du Tout-Puissant. Et par cette divine flamme, à bon matin, soyez réconfortés et fortifiés. Et c'est mathématique ça. Donc, je m'étais à la disposition, nous, j'en ai tapé là. Tout au long du mois d'octobre, pour que nos jeunes camions qui tirent dans le roi chapitre 2, verset 9, et nous allons lire pour vous, le roi chapitre 2, verset 9. C'est le gros. Lorsqu'il est passé, il lui dit à Élisée, demande ce que tu veux, que je te fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, il y a sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Et ce voyage qui est fort, le monsieur m'a dit exactement ça l'a besoin. Tu vas passer par moi, et Ouda t'a dit son réponse qui vient tout bonnement, sans réfléchir. Et une double portion, un sac sous prophète là, une joie. Et dans toute intervention qui fait déjà, sous thème-là, et depuis que nous commençons à savourer, et m'a dit ça, jusqu'à date, nous avons vite compris et lu l'utilité de l'onction, c'est-à-dire la double portion de l'esprit, les bienfaits de la puissance et de l'autorité de Dieu. Et nous comprenons. Et seule la puissance de Dieu est devenue capable de rassurer nous, capable de restaurer nous, et capable vraiment, il y a un homme qui est capable vraiment d'être de base. Avec tout défi, la vie, ça, toute la vicissitude, avec la puissance de l'ennemi, avec les principautés de ce monde. Alors, nous ne savons pas à lutter contre la chair et le sang. Et, contre les mauvais esprits dans l'église céleste. Et nous-mêmes également avec double portion de soi, avec double ça, avec 4 par 4 ça. Une quantité avantage pour le plateau. Bien. Et Élisée qui mandait ça tout. C'est sacré parmi tant d'autres avantages. Et Élisée était qu'à bénéficier dans les lits, même pénétrer sur la bonne portion de l'esprit. Et qui fait non seulement une âme parfaite, mais également la source énergétique. Et l'Église, je dis, a besoin pour faire face avec tout ça qui a passé, avec tout ça qui a venu là. Et Élisée, c'est une onction, ça.
nous va regarder d'après toute l'histoire, c'est grâce à la constance, grâce à la patience, grâce à l'esprit de collaboration, avec la fidélité, avec le fonctionner avec nos hommes de Dieu, pas traiter, pour discipliner. Le bon Dieu était ouais dans le prophète là. Il était besoin. Il était accordé gentiment vraiment de prière. Ça a été fait comme ça. J'aime d'abord la première intervention. Il n'y a pas de précipité. Il n'y a pas de baisse à l'été à coup d'état. Il n'y a pas de baisse. Il fait complot. Il rite dans la présence de Dieu avec l'esprit ça. Il passe tout le temps. Et il était toujours rite dans la présence de Dieu. Mais bien aimé, il ne peut y avoir onction dans l'église, dans la famille, et à titre individuel, sa présence de Dieu. Il ne peut y avoir de délivrance, sa présence de Dieu. Il ne peut y avoir de miracles, imposition des mains, sans cette constance. Ça clair. Il m'a dit avant de nous, pour nous prendre en main, nous, pour nous jeter la pédagogie, pour nous jeter avec fidélité, nous, avec humilité, sans tricher, sans ambition. Nous devons des ambitions, mais de nous dénourrir de bonnes ambitions. Comme ça, avec cette puissance. Vous voyez que Jésus utilisait, ça part pour longtemps, depuis que nous avons été sous tout pouvoir, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus va le transplanter pour voir ça pour nous. Il va le faire un transfert de pouvoir pour nous. Il y avait pouvoir ça. Nous avons fait des miracles aussi. Nous avons allé même au-delà de ce que nous pensons. Nous avons fait des exploits. Jésus te connaît ça. Donc, comme d'abord, Jésus veut nous reprendre. Allez, ça lui dit, ça t'a passé à. T'as passé dans l'Ancien Testament. Mais Jésus ne l'a pas aboli tout. Il a été augmenté. Il n'a pas abrogé de créer loi qui vient ou par ou l'autre. Il a nos besoins, mais t'es bas, il a parlé nous. Il a nos besoins, et vraiment, fait par un motif personnel. Mais le venu, il va écraser la constitution. Il est venu comme moi, il était de pouvoir, il était capable de faire un référendum, de tout ce qu'on est, parce qu'il était tout qui va à son pouvoir. Et il va dire, je ne suis pas marié, autour de moi, il vient d'Adola, il vient de Rigoué, il vient passer dans la dame, il vient augmenter. Parce qu'il connaît le monde, ça. C'est parce que là, on a des outils, on a besoin de notre défendre. Et avec cette puissance, nous voyons Jésus qui exerçait autorité, sa souveraineté, et avec sacrificateur. Il va nous aussi pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Toute la puissance de l'ennemi ne pourra dire rien, ne pourra revenir. Et mes bien-aimés, à travers toute expérience, nous faisons dans le monde ça, nous-mêmes qui faisons partie du conseil apostolique de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui dit dans l'acte des apôtres, nous pouvons aller, nous pouvons voir sous nos puissances. Et les jours de la Pentecôte, puissance qui ont été manifestée. Et avec puissance ça, en tant qu'ambassadeur, en tant que témoin plénipotentiaire de l'Évangile, nous avons puissance ça. Et le Saint-Esprit va venir avec nous à nous, de côté nos pensées, en tant qu'ambassadeur, en tant que témoin, dans tout le monde là. Il y a besoin de puissance là
manifester sur nous, pour nous capables de rapporter la victoire, pour nous capables de réussir dans ce que nous avons entrepris. Il n'y a pas qu'à faire un lien sans avoir cette puissance, cette onction de bien-aimer. Et vous connaissez vraiment les points essentiels et qui caractérisent tout le parcours messianique. Jésus venu, fonction prophétique de Jésus dans le Nouveau Testament. Et quand le prophète Élie et l'autre monde qui t'a servi avec Élie, et on connaît comment prophète a vécu dans des situations difficiles pour exercer pression en Israël, pour exercer leur ministère, c'était des bagages qui t'a fait dans des conjonctures vraiment particulièrement difficiles. Il dit, malgré lui, qu'on est toute précaution à prendre. Et avec des puissances là, il dit, des jeunes, des défis, il dit, prouver pour être digne avec vos prophétures, c'est bon Dieu, parlant de mon Dieu. Avec onction, ça, il lui fait des miracles. Onction, ça, va faire, il lui connaît, il dit, il y a eu des périodes de critique. C'est alors l'Israël qui a avancé avec autorité divine et a été montré la voie à prendre pour sortir. Et c'est ça qui a élevé, identifiant vraiment puissance à qui était sous Élie. Il peut demander un petit bagage à la dame. Et bon Dieu, t'es à côté de lui. Le chat, premier demandé là, vraiment. Et on va regarder également l'orienté dans le bon Dieu. Pour des constances. Qui ça s'apporter comme bénéfice. Et pour Élie, et pour Élisée. Et rien pour faire Élie. Et puis, le Élie. Bon Dieu, l'Élie. Il est élu comme sept sacrificateurs. Et ce qu'on m'a dit, Mandé Samuel, le cana, le âne, a poté Samuel le temple. Expérience que Samuel fait avec le prophète-là. La voix de l'Éternel qui a parlé à prophète là, donc aux gens qui n'a pas les matins. Le diable dit, fait à gauche, fait à droite. Et Samuel va grandir au pied de lui, et il va devenir sa lia. Il va avoir une onction sur lui. Il va avoir une responsabilité pour également, pour le rendre. Le deuxième roi d'Israël, après Saül, David, mais c'est grâce avec toute portion de l'esprit, ça a quitté Samuel par les truchements de saleté prendre en Élie. Il va conseiller David. L'Éternel va lui servir avec lui, avec onction ça, parce que seulement il te compte toucher avec le prophète là, il te compte fonctionner avec le prophète là, il te discipliner avec lui. Et qu'on s'en fait parcours. Je dis à l'évêque la présence de mon Dieu jusqu'à la mort, jusqu'à l'évêque l'histoire, à rapporter conduite, monsieur Sayo. Le volume, travail, onction, ça vous permet de faire dans la société. Donc, le monde nous dit, des fois, vous bénissez le nom de l'Éternel, vous relevez le nom de l'Éternel en face de nous, vous reconnaissez ce bon Dieu. Païwa, mon Dieu. C'est tout bénéficiaire. Nous sommes capables de bénéficier de nous jeter dans le pied, mon Dieu, de nous servir, mon Dieu, avec constance, avec persévérance, sans esprit d'hypocrisie, sans animosité, sans émission négative. Quand tu vois,
serviteur bon Dieu, contre l'homme bon Dieu. Et c'est ça qui fait que on a pu voir malheureux les noms. Parce que nous, que bon Dieu, on est dans une mission bien déterminée, on a côtoyé, on a fonctionné avec eux, parfois on a prié avec eux, on a salué. Mais c'est bon Dieu même nous de respecter, de prier les gens, bon Dieu, dans mes serviteurs. Et lui, marche battement avec l'esprit ça, avec conviction ça, avec double portion de l'esprit ça, avec portion ça, qui te gagne dans mes mains. Et c'est notre à titre d'exemple. On va regarder à 1 roi 17. Comment Élie débarquait à Sarepta chez la veuve. Comment fonctionne sa présence Élie pour te nourrir dans ce cas-là. L'Élie vivait sûrement après un long voyage pour ne pas être un peu fatigué. Vous faites là, et tu es bien bouton. Et puis là, il est arrivé, il veut une veuve là, il a couru toute la ville, et il débarque. Pour des puissances, mon Dieu, pour le manifester. Il a demandé, ça m'a aimé, les gens, initialement, les gens, vraiment très significatif. Et comme si Nado devait s'ancrer dans l'homme de Dieu. Ce n'est pas un monde ordinaire. Ce n'est pas un monde comme ça, comme ça. Et le prophète l'a abordé, lui, il n'est pas prêt à essayer, etc. Et ça, c'est quoi? L'or servi avec l'homme de Dieu, le sabon de Dieu, le peu, ou servi avec peu. Bénédiction, mon Dieu, pas suspendre. De Jaïe la Caillou. Amen. Et nous te connaissons l'histoire de sept petits bagailles qui étaient bien dans le coin là. Petit farine, petit lune, le beau diable. Mais ça avec lui. Dans le petit coin de l'eau, il bat petit farine, le beau diable. Il partage avec le prophète là. Et on est Dieu là. Et grâce à Dieu, bénédiction, bon Dieu, t'es dans la nourriture là. Le prophète là, t'es prié sous lui. Et il dit ouais, que c'est avec celle ça que tu as vraiment été servi pour faire là. Et pour faire là, pas de Dieu, pas besoin de peur. Pas besoin de stress. Il n'y a qu'un point. Rentre et fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit morceau, un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car c'est ainsi l'éternel Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Il n'y a pas de lit, ça n'a pas bien aujourd'hui, il n'y a pas bien demain, non. Elle la caillou, toujours de bénédiction. Parce que seulement tu es traité pour faire la dignité, il n'y a pas de chiche. Et depuis lors, la chambre de rien. Disait ma carrière encore. L'eau pas bien manqué, l'huile pas bien diminué. Parce que l'onction qui est sous le prophète là est vraiment animé par là. Et béni par là. C'est ça, dans une double portion de l'esprit. Pour même, on dit servi avec vous. Et tout cas, soit Haïti ou en train de Biden, ou tu es en train de se définir à la guerre, bon Dieu, la fonction que bon Dieu peut mettre sur toi, toujours un bel, toujours habillé avec manteau, toujours être dans la présence, bon Dieu. Et il y a des gens qui sont arrivés à la caillou, peut-être, bon Dieu, vous venez, vous venez passer un séjour, vous venez par an la pluie, et puis vous êtes capable d'appuyer les liens, vous bannez automatiquement la présence, bon Dieu, dans la caillou. Et là, regardez mon assaut apparence. Et bien, doit assez dans lui. Bon Dieu, pas passer pour côté qui choisit dans la caille là.
courir des bénédictions. Pour servir de la gaille. De la gaille, vous pas besoin. Vous traitez mon âme mal. Ne pas oublier la Bible, à chaque fois que vous avez fait la moindre chose, à un petit monde que vous n'avez pas considéré, c'est avec moi ou elle. Imaginez combien de fois vous courez des options, combien de fois vous mettez la présence de Dieu dehors la carrière, en vieux comportement mesquin. Et lui, continuez à faire miracle, continuez à faire merveille avec deux portions. Esprit fait, il lui fait merveille chez la veuve en Sarepta. Soyez Samson et a reçu cette puissance. Comment Samson humilié Philistin, il battu le calé à un mâchoire bourrique. Parce qu'il tenait une toute portion de l'esprit de vos puissances sur lui. Il lui campait et lui défier la nature. Il lui dit, il n'a plus pas tombé, il n'a plus tombé. Il lui a campé devant lui et lui dit, que Dieu se passe là. Dis-moi pour ta façon. Et ça peut faire parce que lui, il n'est pas sous bluff. Et je dis, ah, si nous sommes assassins, arrogants, c'est assassin présent. Assassin t'a dit, non, marron. Nous connaissons ces assassins, quand le monde soit l'ennemi qui vient d'une portion de l'esprit, c'est assassin quand il est dans le marron. C'est lui qui est là. Présent, c'est lui en Israël. Présent, c'est lui dans la ville là. Il y a tout de respect dans ça. Et je dis, nous avons plus homme de Dieu, nous avons jeunes de prière, etc. Nous avons l'église présente. Peut-être, si pas bien, il y a en miniature quelqu'un qui était bien, et vraiment, qui était porté, qui était animé, ça te rapide mal. Donc, voilà, pour le sujet, nous très mal placé. Quelqu'un de respectant, quelqu'un d'arrogant qui a fait dans la ville, qui a fait dans la cité, ça peut être, ça fait qu'on va respecter nous. Il a pressionné, oui, est-ce que nous gagnons vraiment la présence de Dieu dans nous? Et nous connaissons la volonté parfaite de Dieu, la volonté permissive de Dieu, nous permettons ça en déroute. Mais il y a quelqu'un de respectant. Il y a quelqu'un, mon serviteur, mon Dieu, mourir, apparemment, attaqué, humilié. Ça permet de poser également des questions. Nous, on est lié par Jean lié à toute la ligne. On est lié à faire miracle, à faire causer, à faire merveille. En dedans, à lui, il y a des respectants. Et il va le payer pour y acheter parce qu'il est un peu tolérant. Au final, on va voir qu'il est un petit peu orgueilleux et il va le passer après qu'il n'est pas bien encore en Israël. Ça fait au même le bon Dieu bon action, pas fait ses instants, pas penser après où c'est où, c'est où pas. Bon Dieu, quand c'est rien, même avec même les murs, pour porter la différence. Parce qu'il a les dieux, il fait ça, il est pour mon mieux, les gens, l'écouter, il est avec nous, il est tout. Il dit, lui, si vous pensez, c'est où, dernier, oui, Jean, là, il est gardé, il était bien tangé, l'autre, en plaçant. C'est travail, bon, il n'y a pas campé, même Jean, il dit, ah, c'est où, il veut avoir à mettre là, bon, bah, il m'a qu'il capé, qu'il a marché, bon, son slogan, qu'il a marché. Le slogan, ça, il y a en Israël. Travail, bon, il n'y a pas campé. Parce que la portion de l'esprit a ça avec lui, pour bon Dieu mettre sous sa vitelle, pour sauver petit lui qui est en souffrance, pour montrer le pouvoir, mon Dieu, pour l'or camper, pour dire c'est bon Dieu, pas mal, bon Dieu, pour tout le monde, ouais, dans son Dieu. C'est bon Dieu, bon Dieu. Il est traité avec respect, parce que tout simplement, il était désolé, une toute portion de l'esprit. Il lui demandait, Jean-Mian, pour faire prière, mandel, ça a besoin. Il te demande de prière, il t'a adressé, il t'a accordé. Mais ça fait au même, là, pour éviter de faire amalgame.
en prière, on a joué à prier. Demande exactement ça au bon Dieu. Et les prières pour le baroul. Et j'aime bien là, éviter de la madame. Il lui demande, il dit, moi j'ai fait besoin, effectivement. J'ai allé à la prière. Eh bien, on dit, accordez-le. C'est ça fait, évidemment, nous avons parlé sur la présence du Saint-Esprit, prier dans la vie qui est plus importante. Et savoir prier également, c'est important. Et l'Esprit de Dieu vraiment nous encourage, il nous incite à prier Dieu. Et que l'Esprit va nous établir le contact de nous avec Dieu. Et Dieu est l'Esprit. Il a fait demander que nous allons adorer mon Dieu pour adorer vraiment en esprit et en vérité. Et pour adorer Dieu, il faut avoir en nous cette puissance. Et c'est ça que comme on a dit, selon dans le titre de Paul. Vous êtes au chapitre 6, verset 18. Vous êtes en tout temps. Cette de prière. Et par l'esprit. Cette chape de prière et de supplication. C'est vraiment, vous pouvez graver dans un combat. Vous pouvez prier, vous pouvez des conséquences. Il y a une démonstration. L'Élie, il fait tout ça qu'il fait, il était comme un exil. L'Élie a paniqué Akab. Akab a attaché avec Jézabel. Mais Jézabel a mis le coucou d'Élie. L'Élie a persécuté. Il est pris la fuite. Il est pris au désert. Et la Bible dit, l'Élie, il y a un bon côté, ce côté, bon, tu es comme un torrent près de sous l'eau. Et l'Élie, tu es comme abreuvé. Ils ont tiré l'Élie. Et puis là, le torrent était sec. Puis tu es pas passé dans l'Élie, l'Élie. L'Élie a dormi. Puis tu es prêt à le passer. Il va dire, l'Élie, a dit, il veut un gâteau. Et ce n'est pas gâteau. C'est comme beaucoup de mais j'ai baillé le groupe là. C'est tout le bagage capable de bénéficier dans une bonne portion de l'esprit. Avec une présence, bon, il y a les sept esprits, ils ont servi bon, avec persévérance. Et lui, pas qu'un des micros, il n'y a pas qu'un des livres, il est aboli. Il te connaît, on l'a libre à l'enlever, pour que ce passage là avec l'autre. Je dis à nous assiéger l'église là, nous prenons bagaille là entre nous, les petits passe-coutes, un moment, mais pas oublier. Jésus te dit, je bâtirai mon église. L'autre démon n'a pas dit par excès de langage, dans le capacité intel. C'est son façon de l'identifier côté le bralier. Mais l'église Christ là, mon bon Dieu, où est-ce que nous mettons option sur l'IA? Il lui demandait, même l'esprit ça, tu connais, pour qu'il lui, tu peux faire un transfert de connaissances avant d'enlever le travail pour dire à continuer. Mais, si Isabelle connaît, tu peux bien passer, eh bien, pour que tu prennes soin pour lui, et continuer à prouver celui que Dieu. Il y a un bagage, il va le dire nous, matin avant de terminer. Il fait que nous demandons de nous prier, essayer de faire amalgame, essayer pour ne pas mélanger prier, essayer de prier. Donc ça n'a pas lieu. Pendant il veut demander des portions de l'esprit, il ne peut pas mélanger prier, ce n'est pas l'air, il va demander des visas, il va demander et il va demander des biens matériels. Il ben... focus. Focuser sur toute portion de l'esprit. Par les deux, mon prier, c'est leur prier pour être personnellement.
Non. Voilà, ça n'a pas bien pas accordé parce que nous prions en désordre. Parce que nous nous prions avec trop amalgame. Et nous, alors, au témoignage vivant, dans un côté, il dit qu'on passait, nous devons traiter le prophète avec respect, nous traiter avec respect. Et puis, il est venu, il représente avec ça, il est venu la porter pour richesse, il y a l'autre bagaille qui sous nos arts, il proposait, il est bâti une petite escarre pour lui. Il nous faut un petit chambot pour le prophète là. Le prophète là, il est venu, là, il est venu à lui. Il mettait souliers, lui, il mettait manteau, lui, et c'est là, lui, on était tout à bannir avec des petits cheveux, lui, fait il est tué, et puis tout le monde, il y a le gars là. Et un jour, la Bible dit, non, et voilà, chapitre 4, verset 32 à la fin, et à 37, comme nous avons fini, il est dans le même cas, ça. Alors, de respecter la mort de la vie. Donc on voit les fois la mort venue, la guécob, les mon a prié pour le départ, la prié pour financement, la prié le barreau salva le fait. Les serviteurs, c'est votre vie côté de lui. Il dit, elle n'est pas capable. Il prend ça en considération la côté éternel. Il dit l'éternel ne va pas prendre le mot ça. Il me contente de la gaille ça. Vous vous comprenez. Fonction permettre de lui renvoyer entièrement en haut d'intérieur, craser ce qu'elle a. Et la Bible dit, lorsque Élisée, excusez-moi, m'a dit, Élisée arriva dans la maison, et voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée rentra et ferma la porte. Vous va prendre le bébé dit, on apprend. On a passé les arrivées. On a mort le frère là. On a crié. Il nous a dit que la petite portion de l'esprit là, que le manifeste de la présence de Dieu, l'esprit peut-être qui peut-être là pour éliser vers la porte parce qu'elle t'a demandé ça dans la prière, il t'a accordé lui. Dieu est. Et il pria l'Éternel. Il monta, il se coucha sur l'enfant, il se mit sa bouche, ses yeux dans ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'entendit sur lui. Il dit à une fois, Noé, à des semaines, à battre le monde, pour glorifier, pour paquet, etc. Mais une méthode. Je ne pas dire, on dit qu'il y a un gros pour faire la route. Mais on choque souvent qu'on demande pour parler de gars, il sait, bah, yo. On ne parle pas trop. Et c'est comme ça. La Bible dit que la chair de l'enfant se réchauffa. Il dit, le monde a mouru, il est glacé. Il est net, il est inanimé. Eh bien, Timoa, immédiatement pour faire la prendre des dispositions, parce qu'il y a une double portion de l'esprit. La paix de ses maintenant, manifeste ses grandeurs, bon Dieu, eh bien, c'est comme ça. Il commence à prier. Et la Bible dit, j'ai accordé les fois, on connaît une onction sous lui, la marcher, la l'église, la coucher, la prier, à jaser sous lui. C'est comme ça, peut-être c'est dans la disposition, ça le sent-il bon, il sent-il prêt, bon Dieu. Et la Bible dit, Élisée s'éloigna à là, ça et là, c'est-à-dire la va-et-vient, la pointe descend, peut-être qu'à imaginer, demain en l'air, la marche, la descend, parce que c'est onction, hein, de mettre ça. Et puis il remonta, il s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua sept fois. Et il ouvrit les yeux. Avec dit Élisée appela Géasi, nous te connaissons le commencement histoire, nous pas prendre le commencement, il dit, appelle cette suite, Géasi l'appela, et elle vit vers Élisée.
prend, il dit, prends ton fils. Et elle va se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Elle est même tout avantage. De tout ça, on est capable de bénéficier. De tout ça, mais comment on peut éclater? Et donc, il dit, mais viens, bon Dieu, pour animer avec une double portion de l'esprit. On est bien, on a prié, ils sont prêts des ordres, de prier avec persévérance, ils sont prêts de les prier, ordonner, ils sont prêts à mal d'âme, jeter la paix, bon Dieu, et servir, bon Dieu, et bon Dieu, bravo, et ça, là, pour le bon. On a dit, nous allons aller à la lâche, à la société secrète, aller pour les mauvais esprits, l'interpellation, à l'illuminati. On dit, il y a tout bagaille, grâce à toute puissance. Et pour mettre nos réussites, pour mettre nos relevés des filles, et pour nous manifester, non. C'est là, nous étions matin. Abdou, shalom, shalom, et mon Dieu, nous étions avec onction et Dieu. Et comme ça, ça qui pas comprendre il a vini et après salut salut dimanche. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Diac Saint-Louis, que bon Dieu bénisse.